Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur boulistonaute.com, ici en direct de Fréjus pour suivre l'épilogue de ce 7e mondial Barbero, ville de Fréjus. Et ça va démarrer dans quelques instants. J'aurai le plaisir de commenter cette partie, vous le voyez, avec mon coéquipier, mes coéquipiers. Allez, bouchons lancés pour la finale. Philippe Houdard, Philippe Rosenfeld, là, il va prendre des photos toute la durée de la partie. Et le chef, le boss, il est là. Voilà, aux images, pendant la durée de cette compétition qui a duré 2 jours. Et bah, une belle finale, une finale quasi 100% FIP, Michel. Exactement, exactement, Roger. Philippe. Fallait que je t'en fasse une petite dernière. Tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. C'est Monsieur Donc, Béraud, notre cycle Béraud. On arrive en direct, justement, au moment où on a lancé le bouchon. Allez, on applaudit bien fort pour la première main. Et c'est l'équipe Puccellini donc, qui Allez, démarre avec ce premier beau point de Jérôme Fernandez. Pérez. De Jérôme Pérez. Non. Ok. Voilà, associé à Ligan Dower. Et en face, ben, vous les avez reconnus, la Dream Team de. Ça bouge un peu devant, là, il y a des spectateurs qui sont. La Dream Team de Fréjus, Robineau, Lacroix ouais. et Rocher. Voilà. Allez, bah premier, ça met tout de suite. Voilà, on a l'impression qu'il y a une équipe qui démarre très très fort. Enfin, les deux, hein, puisqu'il avait très très bien pointé. Allez, on va vous présenter une dernière fois hein, ce terrain diabolique, fait de petits trous, de petites bosses, de cailloux qui sont cachés, de parties un petit peu épaisses en gravier, d'autres un petit peu lisses. Enfin, un terrain. Et on décide de défendre encore hein, le recul de Dylan. Ah oui, je l'ai vu un petit peu court à la main. Un peu déçu de son tir, Dylan. Et les deux finales, puisqu'il y a la finale féminine hein, aussi, qui est en parallèle sur le terrain 4 et 5. Avec l'équipe monégasque, hein, la championne du monde espagnole. Puis on vous rappellera qu'on est au terme quasiment d'un marathon de 2 jours. Oui, hein, tout, puisque, à fait, tout à fait. Là, 5 parties de classement samedi, des poules en 8e ce matin. Donc des équipes qui ont peut-être pu jouer 3 parties de poules, quand on fait quart, demi qui sont la finale. C'est 11 parties peut-être maximum. Hein. Oui, oui, c'est ça. Donc sous la chaleur ici. Pour ceux qui pensent encore que le spectacle n'est pas un sport, bah, ces grands joueurs vont vous le prouver après une, aïe, aïe. Attention, un week-end marathon. On a perdu l'avantage des boules pour l'équipe Rocher. Et comme on l'a souligné tout à l'heure, précédant les finales, la présentation par Vincent Dromard, animateur de ce mondial. Un très nombreux public hein, pendant ces 2 jours. Et encore ce soir, là, les tribunes sont remplies, toutes les allées à côté sont pleines. Ah, il s'est bloqué, c'est un mauvais début de main là pour la triplette du FIP. Henri qui a joué hein, face à la boule de Stéphane Robineau. Ouais, mais maintenant ils vont être spectateurs, là, voilà, hein, l'équipe Rocher sur cette main. Ah, c'est rectifié. Et ça va permettre à Jean-Michel Puccellini de pouvoir rajouter avec 2 boules en main. Allez, là pratiquement 80 cm autour du but pour ajouter. À
l'a bien vécu, on va dire, hein, parce que la réception était moyenne. Était moyenne. Allez, dernière boule de la main. Et ça va faire 3. Ben ça va faire 3. Hein. Démarrage en trombe. Hein, on avait démarré fort au tir pour Dylan Rocher avec cette première frappe. On pensait qu'ils allaient partir à l'attaque, ça allait bien se passer. Puis finalement, retournement de situation. Et c'est Puccinelli finalement qui va scorer 3 fois dans cette première main. Alors comme tu l'as dit, 5 Fréjusiens sur 6 joueurs. On va avoir une pensée pour notre ami Ludovic Montoro. Oui, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Après son accident de scooter, son opération de la cheville. Puisque c'est lui qui aurait dû être présent, voilà, bien évidemment, aujourd'hui. Avec Jean-Michel et Liliane. Et donc remplacé par Jérôme Pérez, donc du club d'Auzin, c'est ça? Chauzon-Pradon. Dans l'Ardèche. D'accord, en Ardèche. Club qui possède un très beau pétanquodrome. Bon, allez, là. Et ben. Désabusé Stéphane là sur son appoint. Elle a pas bougé sa boule. On répète, hein, un terrain qui, alors, on l'a qui vu, génère là, beaucoup de pièges. Il est venu taper avec sa boule, on a senti qu'il y avait du caillou dessous. Hein. Terrain très très sélectif. Et on a rarement vu pendant ces deux jours vraiment un pointeur très constant durant toute la durée d'une partie. Et ça se confirme. Encore une boule qui est passée. Un peu désabusé là Stéphane qui comprend pas. Alors l'équipe Rocher qui a eu un parcours, on va pas dire facile, allez, mais qui a su bien jouer pour écourter les parties. Alors que ce matin, l'équipe Puccinelli a failli passer à la trappe dans une partie. Alors je sais plus si c'était le barrage ou... Mais ils ont vraiment failli passer à la trappe. Et c'était le barrage. Ouais, c'est ça. Finalement, mais ils sont là en finale. Hein. Point regagné par Jérôme Pérez. On va quand même aller tirer apparemment. Le bougeon a un petit peu bougé mais pas... Alors Ligan d'or. Il frappe. Et ben même Henri c'est perdu là. Ouais, vous n'avez pas habitué à ce non, type de départ. Ils ont fait une très belle partie là en demi-finale. Ils étaient bien réglés. Et ouais, vous avez raison, amis spectateurs. Comme je vous le dis depuis vendredi, un beau point, un beau tir, une belle main, ça s'applaudit. Et là, comme c'est les allez, c'est regagné. Parties, ça va s'applaudir encore plus fort. C'est gagné, mais 3 boules, hein, l'équipe Puccinelli. Comme la main précédente. Et hein. Oui, exactement. Et attention, hein. Ah.
Belle frappe là de Jean-Michel. Alors il doit y en avoir deux. Deux, mais trois points de nouveau, hein. Trois points pour doubler le score déjà. Je pense qu'on s'attendait pas à un début de partie comme ça, hein, du côté de 6 à 0 pour l'équipe Cellini. Allez, 3 points supplémentaires pour l'équipe de Jean-Michel Puccini. 6 à 0. Face à l'équipe d'Henri Lacroix. Bah, c'est la première fois qu'ils sont menés comme ça, hein, depuis oui. le début du mondial. On va voir leur réaction. Il va falloir tout de suite essayer de recoller le plus vite possible. Ah. Dommage hein, pour Jérôme Pérez, là il a pas mis tout de suite la pression en début de main. Voilà, Stéphane Robineau qui fait un très bel point sur sa première boule. Et c'est frappé pour Ligan d'Or. Il est encore au pied de la boule, pratiquement bien droit. Ouais, et bien droit. Et vraiment sec que là, il l'a pris presque sur le haut de la boule. Hein, donc. Ah, de toute façon, s'ils font pas carreau, ça va reprendre systématiquement parce que la boule est un mètre derrière. Voilà, et on mène un peu le bouchon, déplacement du but là d'une trentaine de centimètres. Ouais, je sais pas si c'est forcément bien, mais bon. Ah. Allez, Jean-Michel Puccellini qui va essayer de peut-être de faire sortir le bouchon maintenant, hein, s'il frappe la boule. Une frappe plein fer, hein, bien droit surtout, mais surtout plein fer. Voilà, c'est fait. Et c'est sorti, hein, comme on l'avait annoncé. Hein. Allez, troisième main annulée. Et score a changé. Allez, troisième main, on démarre la troisième main. Jeu à 7 mètres environ, 7 mètres 50. Ah, il a mieux démarré cette fois-ci là. Très bel appoint là de Jérôme Pérez. Et on voit tout de suite Dylan Rocher au tir. Et il la prend un petit peu de côté. Laisse un peu de place à Stéphane Robineau. Allez, un point supplémentaire pour l'équipe monégasque. 3-0 face aux Haroises. Alors c'est pas repris, hein. C'est pas repris. À tirer. Ligan d'Or va quand même essayer de défendre ce point.
et un petit peu 50 sur le côté derrière. Et qui est court, oui, je l'ai vu. Hein. Là, j'ai vu la sortie de main. Il a pas levé le bras. La courbe. Ouais, la courbe, hein. la célèbre courbe. Ah non. Là, c'est un petit peu rectifié la droiture, on va dire, mais c'est un peu court. Ouais, hein, donc, un et puis court, c'est une partie vraiment ouais. sèche et dure là, donc impossible de ramasser. Hein. Allez, deux boules à 4. Deux boules en possession de Jean-Michel Puccellini. Il va tirer le bouchon. Alors une boule pour le bouchon. Et ça peut être un tournant de partie encore. Hein. Il sort pas. Il est dessus, mais vraiment au pied. Hein. Il n'a pas pris plein bois et il n'a fait que quelques centimètres, hein, Stéphane. Un petit peu court. Ouais. Alors, il va falloir tout de suite bien tirer pour l'équipe Rocher. Voilà. Je pense qu'il va le gagner. Ouais, c'est ça, sans problème. Allez, ils ont possibilité quatre de. Quatre boules pour l'équipe Rocher. Ouais, de revenir tout de suite dans la partie là. Ça suffit. Sous les applaudissements du nombreux public, hein, comme on le disait. Quand même, ouais, ça tient. Ah oui, il y avait un peu de marge. Ouais, hein. Oui, c'est vrai. Allez, une occasion pour recoller pour l'équipe d'Ilan Rocher. Voilà, il assure. Voilà, 4 points. Il ramène l'équipe donc Rocher à 4 à 6. Allez, réduction du score avec une mène de 4 points pour l'équipe d'Ilan Rocher. 6 à 4. En faveur de l'équipe de Ligue 1 dehors. Alors qu'on assiste à une très très belle finale pour le moment en féminine. Stéphane Robineau qui va essayer de tout de suite mettre la pression à l'équipe Puccellini. Allez, elle sent encore. Décidément. Oui. La réception, hein, fait accélérer la boule. Peut-être qu'il la bloque un petit peu moins que tout à l'heure, je sais pas. On l'avait vu pourtant très très performant la partie précédente là. On va dire c'est bien et c'est pas bien. Ah oui, c'est sûr, hein, quand l'adversaire pointe. C'est toujours le dilemme. Pointe une première boule moyenne, ouais. Embouchonnée et risquer d'annuler la main, c'est vrai que c'est. Et voilà. Ah, il n'est pas sorti. Et on a allongé de 2-3 mètres. Hein, là.
Ah, il va être court, c'est gagné, mais il va être court quand même. Court, c'est court. Ouais, là, il a pratiquement un mètre hein, autour du but. Stéphane Rubino, hein, qui on rappelle, réalise un très très beau début de saison. Dernièrement, vainqueur d'Almezzo, en Bretagne, où on était présent. À Nice. Puis il a remporté la championnat régionaux qualificatif. Tête à tête. Championnat de France, tête à tête. Effectivement. Et il sera bien sûr associé à ces deux personnes, deux compères la semaine prochaine pour les championnats de France qui se déroulent à Bergerac. En Dordogne. Une très belle approche de Jean-Michel Puccellini. Alors 3 boules à 3, le point pour l'équipe Puccinelli. Ah, c'est un très très beau tir là, une très belle courbe et un petit recul qui se met en face du bouchon. Ouais, qui réduit un petit peu l'espace quand même. Il peut avoir son importance hein, sur cette distance de jeu là au point. Sans bouvert comme ça, mais on l'a vu, on a vite fait de basculer ou de glisser à droite ou à gauche. Et oui, oui, t'as voilà. Vu. Hein, c'est fait. Il est court. Oui, oui, il est très court même. Alors, plus qu'une boule pour Ligan. C'est mieux. Allez, c'est repris. Boule dans les mains d'Henri Lacroix. Et ben ça suffit hein, parce qu'il y avait de la distance là, hein, Stéphane. On avait le déplacement du but avait quand même allongé le. Alors un point sur le tapis, dernière boule à venir et boule de rajout donc pour égaliser éventuellement. Alors lui va essayer de jouer vers la gauche apparemment. C'est quand même plutôt son habitude. Hein. Oui, il va travailler avec un petit coup de poignet. Nous on pourrait penser que le jeu est ouvert à droite entre les deux voilà, boules. Voilà, regarde, t'as vu le mouvement du poignet qu'a fait Henri. Ah, c'est juste un petit peu court, je pense. Hein. On va regarder quand même. Ah, ça mérite peut-être un coup de mètre, hein, on n'est pas... Il y a de la mesure. Ah, il y a de la mesure et c'est l'arbitre national Jean Sarletti. Sarletti, voilà. Jean Sarletti, le Vauclusien. Le Vauclusien qui vient prêter le mètre. Allez, deux points. Ah, ça compte, hein, donc. Bah oui, c'était bon. Dans la finale masculine, 6 partout. 6 partout, et on entame la 6ème main, justement. Où là, Henri choisit de jouer oui, vers 9,50 m hein, facilement. Il
Allez, ils sont revenus en tout cas hein, dans la partie. En domaine, hein, on a un petit peu peur. Enfin bon, peur, c'est qu'ils sont tout à fait capables de réagir. Mais bon, ils n'avaient pas très très bien joué quand même les deux premières mains. C'était un petit peu mieux. Il faut dire que l'équipe Puccinelli elle a laissé deux points quand même courts devant là. Oui, oui. Et c'est debout là, Henri Lacroix pour marquer. Donc. Alors tu l'as dit, oui, on est encore proche des 10 mètres. Hein. Oui, oui, oui. Là c'est, voilà, là c'est un superbe point de Stéphane Robineau. On va tout de suite envoyer Ligan d'or au tir. Alors c'est une partie qui est un tout petit peu plus sablonneuse là. Est-ce que tire un peu court peut être avantageux? Très belle frappe, ouais, hein, voilà, très belle frappe. Il n'y a pas de tir un peu court, là c'est plein là, fer. C'est plein fer. Eh ben Stéphane qui fait deux balles à point dans cette sixième main. Et là on choisit de faire pointer une fois Jérôme Pérez. Hein. Ouais, on estime que le point n'est pas beau à défendre, hein, le rétro là, de Ligan Dower. Donc on veut une boule un petit peu plus dans le jeu qui soit un petit peu plus appétissante, on va dire. Attention, il emmène un petit peu le bouchon. Je pense que c'est repris. Hein. Parce que c'est repris avec le déplacement du but. On regarde, il y a mesure encore. On mesure, on profite de cette mesure justement pour rappeler donc la collaboration étroite du FIP avec la ville de Fréjus. Et comme l'a bien indiqué avant cette finale, que ce soit Pierre Nallet et Jean Cazal. On peut les applaudir encore bien plus fort que ça, messieurs dames. La contribution des équipes techniques, du service de l'Office du tourisme et de tous les bénévoles qui œuvrent pour l'organisation de ce mondial. Ils souvent travaillent dans l'ombre et ils ne sont pas souvent mis en. Alors juste valeur. Ah, juste pas droit pour Dylan. Ces bénévoles bien évidemment sans qui rien ne serait possible. Dans un cadre magnifique, Stéphane, hein, comme tu l'as découvert ce week-end, pour ceux qui auront l'occasion de venir cet été, hein, bah, qui ne se gênent pas pour venir taper quelques boules sur la place. Voilà, ils pourront dire qu'ils ont joué au même endroit que les champions du monde, que certains champions du monde. Et puis après, il y a la baignade. Hein, juste en face. Hein, 20-30 mètres derrière nous. La plage est là, donc un lieu idyllique. Alors Diane Rocher, vous n'avez pas habitué à ça, hein. Deux trous dans la même main, alors certes on joue très très long. Ouais, c'était long là. Normalement c'est pas trop un problème pour lui, mais bon. Allez Henri, qui travaille sa boule encore une fois, hein, qui reprend un superbe point. Attention, hein, une boule à 4, le point pour Rocher, mais une boule à 4. Oh là, ouh, alors celui-là. Là, c'est un sec. Ah là, oui. Ça va pouvoir voir le replay, je pense, de notre ami Lionel Zané, hein, sur ce très beau tir de Ligan d'or. Ah là, celui-là, il n'a pas bougé. Hein. Une boule a directement déposé la boule. Donc Henri qui va essayer de revenir et peut-être se cacher devant la boule. Hein. Ah, il est court. Oh là là, oui, il est même vraiment court. Alors là. Attention là.
Il reste trois boules en main, une boule au pointeur et deux boules à Jean-Michel Puccinelli. On peut refaire l'écart pour l'équipe Cellini. Hein. Attention. Alors ça a été vraiment joué à la perfection de la part de Mélanie Julien. Beau tir. Et je crois qu'il va compter. Hein. Le bouchon, en touchant le bouchon pour rajouter un voire deux points. C'est pas sûr. Ah si, si, bien sûr. Il y a, puisque c'est la boule de... Non, il n'y est pas celui-là. La boule de devant hein, qui est. Ah. Il faut bien qu'il pense à jouer un peu haut hein, parce que. Alors, en touchant le but, ça pourrait faire 4 voire 5, attention. Hein. Il est bas. Ouais. Bah, il court surtout. Bas. Bah, il court. Ah, si ça rajoute 2, ils vont peut-être tirer, hein, prendre le risque de tirer. Eh oui. Ah, oui, là, ça vaut le coup. Hein. Il n'y a pas de mesure. Henri dit qu'il n'y a pas de mesure. Alors, ouais, est-ce qu'on décide ? Tirer pour rajouter 2. Il fait 2 de plus, hein, donc. Ah, voilà, c'est là, juste celle-là. Le cours, hein. Juste le cours. Donc ça devrait être 2. On n'aurait pas tiré pour un point supplémentaire. Pour l'équipe Puccinelli, 8 à 6 face à l'équipe Romino. Allez, 8 à 6. Voilà, on découvre hein, la loge. Avec Jean Casal, Pierre Nallet, Patrick Béraud, un de nos plus gros sponsors à Fréjus, c'est les cycles Béraud. Voilà, belle approche quand même là de Jérôme. Derrière, mais un derrière, point mais plus que correct. Voilà, hein. Un correct. Et bien sûr, oui, je le disais, des sponsors avec qui, pareil, sans ces sponsors, on ne pourrait pas faire ce genre d'événement. Et notamment la famille Barbereux, à qui est dédié ce mondial. Hein. Qui porte son nom. Qui porte son nom. Hein. Et on l'a dit, on en est à la 7e édition. Hein. 7e édition, effectivement. Oh là, il va être court. Encore court, là, Stéphane. Un peu plus de mal que tout à l'heure quand même. Hein. Oui. Alors, il y a Pierre qui commence à passer à l'ombre, hein, donc ça va peut-être faire un petit peu de répit parce qu'il fait quand même très très chaud hein, malgré le vent. Au-dessus, ça, est-ce que ça suffit? Allez, c'est repris par Jérôme Pérez et Dylan va retourner au tir. Voilà, ça suffit. On a poussé. On fait jouer. Je crois qu'on va tirer. Hein. Ouais, parce qu'on n'a pas envie de prendre de carreaux là. On veut partir à l'attaque, obliger l'équipe adverse à pointer. Très belle frappe là de Ligan Dor qui était associé la semaine dernière avec Henri Lacroix et Lucas. Alors, des Sports. Hein, oui. Tu étais à Andrézieux Boutéon et jouait pour sous l'équipe de France, hein. Les couleurs voilà. De l'équipe de France. L'équipe là, ils sont inclinés en demi-finale contre Suchot, Quintet et Jouffre. Dans une partie exceptionnelle. Où il menait 8-0, je pense, c'est ça ? C'est ça. Hein, de mémoire. Allez, encore un beau point de Stéphane Robineau. Et une très belle frappe de nouveau de Ligan Dor.
se retrouve deux boules à deux. Henri qui assure là, hein, qui prend pas trop de risques. Oh, il est 10 devant, c'est incroyable. Là, ça ramasse pas. Hein. Oh là 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 là. Ça ramasse pas, ça saute au-dessus. Puis on l'a vu, là, elle a vraiment fait un bond, hein, quelquefois. Bon, elle peut pas être plus droite. Hein. Incroyable. Eh ben, on va retirer. Alors, qu'est-ce qu'on décide ? On décide quand même de retirer. Ouais. Ah, on voit bien sur le ralenti. Voilà, voilà, c'est rectifié, c'est plein fer. Et il restera donc une boule à Henri Lacroix pour essayer d'arracher la marque. Ce qui va être fait, voilà. 7 à 8, donc à l'issue de cette 7e main, Stéphane. Et tu peux peut-être en profiter pour rappeler les derniers vainqueurs des éditions précédentes. C'est une édition qui a démarré en 2016 avec la victoire de Montoro d'Acuña Hachadurian. En 2017, Savin, Malbec et Tyson Molinas. En 2018, donc un an avant leur finale de championnat de France, David Riviera, Michael Bonetto et Pierre Lucchesi. La finale... Championnat de France, c'était évidemment avec Fernandez. 2019, Jérémy Darod, Dylan Cano et Jacques Lol Dubois. En 2020, la Dream Team de Fréjus, Lacroix, Rocher, Robineau. Et puis l'année dernière, malheureusement, ça s'était terminé sous la pluie. Donc la finale. Sous la pluie, tu es gentil, c'est sous les orages surtout. D'accord, j'étais au sec hein, chez moi. Donc, donc effectivement, sous les orages, donc la finale n'avait pas pu se jouer. On avait dû sauver le matériel avec Lionel et Philippe. Allez, ce sera une main de 3 points chez les filles. Ouais. On avait en finale Pietri Ziegler et Chatou Cano qui étaient opposés à Dionysi, Gino Delis et Kevin Philipson. Voilà pour le palmarès de ce mondial Barbero. Allez, très belle reprise de Jérôme Pérez. Et on vous donnera après le palmarès des féminines, puisque parité oblige, on va pas. Oui, on va pas se fâcher avec qui que ce soit. Hein. Belle frappe là. Hein. Très très belle frappe. Alors, il a touché la... Il a mordu, mais c'est bon. Oui, ouais, il a touché la boule de Stéphane Robineau, mais c'est suffisant. Alors, c'est frappé hein, pour Dylan. Il voyait peut-être mieux, je ne sais pas. Je crois que depuis deux jours, les tireurs voient beaucoup mieux que ce qui arrive. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et n'oubliez pas, hein, vous pouvez regarder la chaîne Whistlenote sur YouTube aussi. Vous pouvez même connecter votre écran si vous êtes équipé. Allez, main annulée. C'est les féminines. Score est changé. Égalité parfaite.
Alors, c'est perdu. Hein, le point est perdu. Tout droit. Ils avaient un petit peu encore l'avantage de boule. Maintenant, ça se rééquilibre et on a laissé 2 points à l'équipe Rocher. Donc, attention. Ouh là là. Elle tombe mal encore. Hein. Oula, elle répond mal. Et encore, elle a pris un petit caillou en route. Ouais, ouais. Elle a gagné 10 à 15 cm. Elle était beaucoup plus loin sinon. Hein. Ok. Allez, il nous reste 2 boules à Ligan d'Or. Alors Jean-Michel Puccini qui voulait faire tirer hein, Ligan d'Or pour casser la gagne. Enfin non, pas casser la gagne parce qu'il y a 7, mais du moins... Très belle... Attention, elle redescend là. Très belle reprise quand même. Allez, Henri Lacroix, il avait la bonne idée de faire tout de suite venir la dernière. Très en belle position. On rappelle, ils défendent 2 points. Hein, donc. Non. Pour. Allez, il y a encore les boules pour. Hein. On en défend toujours 2. On est 2 boules à 1. Donc. Oh, il a pris contre. Il a pris contre, sec. Alors. Elle serait restée quand même chez Stéphane Robineau. Il est devant. Oui, oui. Eh ben, on va se retrouver boule à boule. Une boule à Ligan d'Or, une boule à Stéphane Robineau. Et là, on va tirer maintenant. On va tirer, oui, c'est inversé. Très belle frappe, là. Elle avait espéré peut-être faire un petit carreau hein, pour gêner la reprise adverse. En tout cas, ils ont cassé du point. Ils auraient bien fait de pointer finalement parce que. Il rend 2 fois. Il n'avait pas la certitude de frapper 2 fois. Ça aurait pu être un petit peu plus lourd là. Ça sera 1 point maximum. J'ai failli dire sans problème, mais... Il était temps qu'elle s'arrête. Allez, un point pour Stéphane Robineau, égalité parfaite. Eh ben, on aurait dû commencer par là, 8 hein, partout, à l'issue de cette 8e main. 8 partout. Et on a distribué 2 points en moyenne hein, par main. Ouais, ouais. Et les bleus de Puccinelli avaient pris l'avance, les bleus de Rocher étaient revenus au score. Là, on a... marqué un petit point par-ci, un petit point par-là, finalement 8 à 8, donc rien n'est fait. Par contre, les deux équipes sont dans la gagne, si je puis dire. Voilà, ça c'est un très beau point là pour démarrer cette 9e main de la part de Stéphane Robineau. Alors, on est bord de ligne là. Hein. Il y a juste à suivre la ligne, hein, je dirais. Oui, mais verser d'un côté comme de l'autre. Hein. Eh oui, tu vois, c'est il est court hein, surtout. Ouais, il est court et ça l'a. Ça l'a emmené vers la gauche. Ah, monsieur l'arbitre s'approche, je crois qu'il va y avoir une... pas marqué le son, j'ai pas fait attention. Ça, c'est mieux. Alors, est-ce qu'on avait marqué le bouchon? Oui. Non, mais il n'y a rien de spécial. Non, c'est l'arbitre s'est approché. Ouais. Il a peut-être envie de discuter. Voir de plus près. Voilà ce qui se passe.
Aïe, ça suffit. Ah, puis en plus, la boule revient. Ah, c'est mieux. Eh ben, on va annuler cette main sur ce tir de Dylan Rocher. Allez, main annulée. Eh ben, toujours 8 partout. Et je crois qu'on va jouer encore à la ligne. Eh ben, Mara, donc, même le bouchon est difficile à jeter. Ouais. On raccourcit un petit peu de la part de l'équipe Puccellini. Dans la finale masculine. Très court, on a choisi là Jean-Michel Puccinelli. Vous pensez que ça va partir à l'attaque? Ah bah oui, de toute façon, on va tout de suite aller essayer de... Ouais, on veut être maître du jeu. Hein. De prendre un petit peu la maîtrise de la main. Ça suffit. Ah, tu vois comment il a bien fait tourner la boule. Hein. Allez, de nouveau, Ligan d'or. Allez, 2 points supplémentaires. Voilà, qui frappe la boule, qui permet. Qui oblige Henri Lacroix à les pointer une nouvelle fois. On s'en approche, mais on n'arrive pas à embouchonner. Non, hein. Non. Allez, on change de tireur cette fois-ci. Hein. C'est Jean-Michel Puccini qui va... Allez, Jean-Michel. Alors, et encore une fois, peut-être un petit peu trop court cette fois-ci. Hein. Un petit peu court quand même. Allez, on y retourne. Voilà, c'est fait, ça doit suffire. Ouais. Ça va suffire. Jean-Michel qui ne pourra pas cette année défendre sa couronne marseillaise. Lui, le Marseillais. Oui. Alors il pourra la défendre, mais pas oui, avec non, la même mais équipe. Je veux dire, voilà. Pas avec la même équipe. Il ne pourra pas défendre un troisième titre ouais. Consécutif avec ses deux partenaires, Benji Renault et Ludovic Montoro. Deux absents cette année. Alors, je crois qu'il l'édition. Je crois qu'il doit jouer avec Steven Chaplin et j'ai perdu le nom du troisième. Moi, il me semble que c'est Kevin Malbec. Voilà, très bien. Là, on a nos informateurs voilà, qui sont juste derrière nous là, qui Marseille, ne laissent rien passer. Marseille démarrera le 3 juillet. Sous la houlette et la conduite de Pierre Guille. Alors vous pouvez vous inscrire hein, désormais hein, sur le site de la Marseillaise, n'hésitez pas. Il y a déjà du monde, hein, on s'est entretenu là il y a une semaine, il était à Fayence Pierre et il nous a dit qu'ils avaient déjà pas mal d'équipes inscrites et qu'il laisse compter une belle Marseillaise. Voilà, oh là par contre. Ça c'était pas là, prévu. Hein. Ça ressemble pas à Dylan. Hein. Il est un tout petit peu haut, il a chassé la chaîne haut, toute seule. On va tirer pour faire carreau ou casser un point. Ah, dommage. Mais non. Allez, c'est l'équipe Puccinelli qui grignote un petit point.
et 8 à 9. À l'entame de cette 11e main déjà, Stéphane. Oui, ça avait démarré fort comme je l'ai dit tout à l'heure, puis maintenant c'est plutôt du point par point, donc on ne lâche rien des deux côtés, personne ne prend de grosse main, on joue plutôt bien tactiquement. Alors, il y a eu aussi des buts annulés, mais involontairement. On n'a même pas hésité, hein. Yann Rocher il était déjà parti. Ouais, ouais. Quasiment que la boule soit complètement arrêtée. Ah oui, là, très très beau tir avec un petit palais sur le côté qui ramène la boule de Dylan sur le, ouais, sur le but. Et malheureusement. Alors faut peut-être la prendre de côté, hein, parce que peut-être le bout. Ouais. Ah oui, c'est alors, ce que je pensais. Mais ça, c'est le pire qui pouvait arriver. Voilà. Un peu prévisible quand même. Hein. Il n'a pas pris du bon côté en fait. C'est hein. Ça, ouais. Ouais. Allez, Jérôme Pérez à la pointe. Ça va, heureux, on va dire, ouais. Heureux de se retrouver en devant de boule. Alors 5 boules à 3 pour Rocher, mais le point contre eux avec un devant de boule. Donc on va quand même tirer XP. Allez. Voilà. Il faut absolument taper plein fer pour décoller les deux boules, hein, parce que sinon... Et espérer aussi peut-être rester. Hein. Ouais, là, il faut une frappe impérative plein fer. Aïe, 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 quel malheur, quel malheur. Court. Ah, très belle frappe là d'Henri qui va. Allez, 3 boules à 3. Non, 3 boules à 2 plutôt. 3 boules à 2. Un petit peu court la reprise de Jean-Michel. Ah non, c'est frappé mais ça ne suffit pas. Et pendant ce temps-là, donc l'équipe Monégas hein, qui mène la finale. J'étais en train de chercher le nom de l'autre équipe. Alors peut-être tu les... Non, de mémoire... Je les ai. Voilà. C'est Mélanie Julien et Céline Caman. Voilà, qui sont menées opposées. 5 à 7. Voilà, face à Aurélia Blasquez-Ruiz et Myriam Chambéron. Chambéron. Donc c'est aussi assez serré hein, du côté des féminines. Oh là, il est court encore. Elle sert gagner là pour. Alors, boule à boule. Boule à boule, point pour Puccinelli. Une boule à Ligan Dower, une boule à Stéphane Rubineau.
Et apparemment, on va tirer. Eh ben, c'est frappé pour Stéphane, ouais, son premier tir de la... Ouais, pour dire de tirer comme ça au bout de la 11e main. Chapeau. Chapeau à l'artiste quand même. C'était pas simple. Et sans problème. On assure la part de Ligan d'Or. Permettre à l'équipe Cucellini... Ah, j'en profite rapidement pendant ce changement de main là pour vous rappeler le palmarès féminin. 2016, Angélique Colombet, Audrey Bandiera. 2017, Florence Schopp, Anna Maillard. 2018, Angélique Colombet à nouveau avec Audrey Bandiera, le doublé là en 3 ans. 2019, Charlotte Darode associée à Elodie Estève. 2020, à nouveau Angélique Colombet qui l'a déjà remporté 3 fois associée à Nadia Djabri. En 2021, donc pas de finale, puisqu'il y a eu le même petit souci que pour les hommes. Allez, 3 points supplémentaires. Finale non jouée, qui avait vu justement les finalistes actuels là, qui sont en train de jouer. Aurélia Blasquez-Ruiz associée à Myriam Chambéron, qui aurait dû être opposée à Fangio Aubria et Anaïs Montet. Voilà, finale. Tout à fait, Stéphane. Fangio Aubria, ma langue a fourché. Donc... Allez, rien n'est fait dans cette partie. 12e main, 10 à 8 pour Puccinelli. Et on joue à nouveau près des 10 mètres. Hein. Et une belle approche, hein. Belle approche là, parce que on est dans une partie de terrain difficile. Ah, il a passé la tête. Il a passé la tête. On a décidé de tirer, hein, cette boule qui est quand même en plein jeu devant. Alors, tir chirurgical. Eh bien, c'est fait. Hein. Un petit bonjour de Strasbourg pour mes amis qui nous regardent. On suivi tout pendant 2 jours, là c'est parti. Allez, attention, la boule n'est pas encore stabilisée, mais non, c'est quand même bien repris par Jean-Michel Cucellini. Et on décide de défendre le point dans l'équipe Rocher. Il apprend un petit peu. Mais ça suffit. Voilà. Alors, 3 boules à 3. Et ben voilà, boule de Jean-Michel qui vient se coller sur la boule de. Ouais, elle est un petit peu faible au niveau, ouais, mais au niveau force, et puis elle est retombée avec le. Ça a été une petite goutte, là, une petite butte. Hein, donc, oui, ça bloque quasiment le tir. Hein. Je pense pas qu'on va prendre le risque d'aller tirer. On le rappelle, un Puccini qui mène 10 à 8. Donc. Allez, un beau jour du 44 cette fois-ci. Ah, il a... Je sais pas. J'ai l'impression qu'il n'y est pas. Hein. Non,
pense qu'on bouge pas du tout. Elle, côté, pareil, elle est retombée très vite. Hein. Ouais, il avait pris de la marge, ouais, hein, mais. Ouais, ouais. Allez, une première boule Henri Lacroix qui va quand même être importante hein, parce que le poids sur le tapis, il reste deux boules à Puccinelli. Il faut absolument rentrer de la... tout de suite, faire jouer. Sans problème. Voilà. Attention, voilà, j'ai toujours peur qu'elle retombe de l'autre côté parce que là tu vois on est sur une petite bosse là et on a vu elle c'est sur la fin et oui ça regarde aussi en basse Normandie hein. Bah, on espère bien que ça regarde partout en France hein. Et à l'étranger puisqu'on a quand même des suivis aussi à l'étranger, il est pas droit là, il est sorti un petit peu même du rond, il gagne, il l'a déporté un petit peu. Ouais, on a souvent tendance, hein, quand on voit qu'on va pas être droit, à se pencher un petit peu en espérant que, mais non. Ça serait hein, si on pouvait changer la trajectoire de la boule. Alors, est-ce que ça va suffire? On va mesurer hein, apparemment. Un bonjour de Reims, merci Quintet. Oui, Philippe Quintet qui est venu avec Philippe Chuchot et Damien Huro hein, inaugurer le très beau boulodrome de la région nordiste, près de Douai. Alors, apparemment c'est gagné hein, puisqu'on va tirer. Attention, il peut se passer plein de choses. Hein. Eh bien c'est très bien tiré là par Henri. Qui permet allez, un point supplémentaire. De marquer un réduction point du score. Et du côté féminin, là ça a l'air assez animé aussi. On a du beau jeu apparemment. Hein. Et on continue d'avancer point par point là depuis 5-6 semaines. Allez, bah, la fameuse 13e main. Tout à fait. Stéphane. Ah, il y a encore quelques alors, points à faire hein, quand même des deux côtés. Des deux côtés d'ailleurs. Cher à nos amis commentateurs Marc Alexandre et notre ami Laurent Cos qu'on salue, on espère un bon rétablissement. On pense bien à lui. Voilà, hein. Qu'on pense bien à lui et qu'il se repose, notre ami Lolo. Allez, très très bel appoint là de Stéphane Robineau là qui entame cette 13e main de façon très bénéfique. Allez, Ligan. Il frappe. Allez, encore une belle appoint de Stéphane Robineau. Hein. Alors, Jérôme Pérez, tu vois, qui a assuré, mais elle descend vite, hein, la boule. Voilà, deuxième belle frappe de Ligan d'Or. Allez, un point supplémentaire pour notre équipe varoise qui n'est plus menée que 10-6. Je rectifie, j'avais enlevé une boule supplémentaire à Puccinelli. Ah oui, vous avez raison, on peut... Thank you.
Ah, c'est repris par Henri Lacroix. Hein? Allez. Pour l'instant, on est en 100% de tir là dans l'équipe. Il gagne d'or sur cette main. Très beau, très beau replay là de notre ami Lionel. Encore une belle reprise là de Henri Lacroix qui se met un petit peu face à la boule. Tiré, côté, ça suffit. Ouais, alors c'est pas sûr qu'il y en ait deux. Non, mais ça fait jouer, c'est sûr. Ça fait jouer. Deux boules à Dylan. On va voir. Hein. Je crois qu'il y en a deux. Hein. S'il pointe, c'est qu'il y en a encore deux. Donc je pense qu'il apparemment, serait... oui. Apparemment. Ce qui serait allé tirer, hein, sinon. Tamponner la boule, mais elle s'est écartée un petit peu sur la gauche. Hein. Alors il restera une boule à Jérôme Pérez. Hein, après... On va tirer là, parce qu'on est deux fois en seconde. Oui, oui, oui. Il restera une boule à Jérôme Pérez. Allez, c'est ça suffit. Ah, il est parti. Hein. Là, oh là c'est là, grave, là, ouais, deux ouais, points. Ouais. Ah, là, ça fait pas bien dans la tête parce que là, 11 à 10 dans le Sucho Time, deux points laissés comme ça, c'est dur. Hein. Attention. Allez, égalité parfaite chez les hommes. 10 partout. Alors, il n'y avait qu'un point. Il n'y avait qu'un point, alors. Okay. Il n'y avait qu'un point, Stéphane. Ouais, alors, je suis surpris quand même que oui, je rectifie. Et eh bien, il était parfait. Qui défendait deux points, parce que Diane Rochette allait frapper. C'était... Alors que chez les femmes, le festival de gros points et de belles frappes continue. Allez, on va démarrer la 14e main. On n'a pas eu beaucoup l'occasion de retransmettre ce week-end des parties à 14 main. Hein, oui, des parties serrées comme ça. Non, bien malin qui peut dire qui va l'emporter là. Un joli. On continue de jouer toujours à peu près au même endroit, hein, dans ce sens-là. Non, là c'est... J'ai entendu un petit peu là, c'est pris quelques cailloux. Ça a gratouillé là. Ouais, ouais, ça a gratouillé. Allez là, on réfléchit pas deux minutes. On va casser du point, 10 partout. Un beau tir. Ah, très belle reprise encore de Stéphane Robineau. À 10-10, c'est toujours important.
qui va succéder à nos deux amis corses, co-vainqueurs l'année dernière. Hein. Alors, moi j'ai entendu Stéphane qui aurait eu un duel en tête à tête. Il paraît que. Alors, sous toute réserve, oui. Il paraîtrait que Pascal Dionysi aurait battu Philippe Pietri. Alors, sous toute réserve. Est-ce que la partie a été filmée? Et c'est. On n'avait pas les droits. Ouais, mais je pense qu'on est quand même obligé de croire Pascal Dionysi. Hein. La bonne foi corse, évidemment. Alors, si, prévaut dans si, cette situation. Si notre ami Philippe était présent, alors là j'ai aucun doute. Là j'ai aucun doute sur la véracité de. Ouais. Alors est-ce que c'est un tir au but là ou. Oh là, juste court, ouais, de 10 cm à peu près, hein, 10 cm court. Allez, On est peut-être pas loin d'un manqué perdu, malheureusement. Allez, Jean-Michel, qui le prend plein bois. Hein. Bravo Jean-Michel Cuccellini. Bravo, rien à dire. Il a vraiment pris une première pour se régler. Oui. C'est pas évident, hein, il y avait la distance en plus. Hein. Allez, c'est la troisième main annulée dans cette partie. Score inchangé. Et on attaque la 15e main. Allez, deux finales hein, très serrées, hein, que ce soit en masculin ou en féminin. Ah ouais, très très belle entame encore une fois de Stéphane Rovino, qui envoie tout de suite Liliane d'Or au tir. Hein. Allez. On ne lâche rien des deux côtés. Non, non, non. Ben là, on sait qu'on est dans les mains décisives maintenant. Hein, 10 partout. On n'a plus trop le droit à l'erreur, hein, Stéphane. Allez, un point supplémentaire pour les Monégasques. 11 à 6. Allez, Monégasques qui se détachent un petit peu hein, sur la partie de finale des féminines. Ah, c'est frappé. Bon, ça se fait que ça s'est mis comme ça. Allez, amis spectateurs, 11 à 6 pour nos deux championnes monégasques. Nos gentilles varoises vont avoir besoin de tous vos encouragements pour revenir dans la partie. Tu en vois rien. Non, non, je vois pas. Souris. Ah si, elle est là, regarde. Viens là. Elle est là, viens ici. Voilà, ça y est, on a rétabli. Ouais, ouais, voilà, ouais. Oui, et là, on réfléchit à la tactique parce qu'on sait que Jérôme Pérez aura peut-être quelques difficultés au tir, donc on préfère le faire pointer. Bah, c'est surtout qu'il n'y a pas tiré, je crois, hein, peut-être une fois, non je... Non, pas tiré, non, pas dans cette partie. Partie hein, non, non, non. Cette partie, il n'a pas tiré, c'est pas, non, c'est pointé, pas forcément c'est évident hein, pour un pointeur qui ouais. De tirer en plus des boules importantes. Voilà, ça, par contre,
ça remet un petit peu... Allez, Dylan qui va sans doute tirer la première. Hein. Espérer faire le ciseau. Ouais, ça peut... Voilà, ça peut. Ah, il n'a pas fait. Et surtout... 6000, alors 6000 spectateurs actuellement, nous dit Lionel, sur les divers réseaux. Il y en a deux. Hein. Il y a deux points. De la web TV Bouliste Note. Il y a deux points. On va aller voir sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch, sur l'application mobile aussi, hein, récemment. Téléchargeable. Téléchargeable. Apple Store ou Google Play. Voilà. Alors tous les moyens de ne rater aucune occasion de voir de belles parties de pétanque dans de belles compétitions. Allez, Henri qui est un petit peu court. Et on a... Ouais, ouais. T'as pas le droit à l'erreur presque là maintenant. Aïe 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 aïe, oh, ça allait tomber sur un... Bah, Jean-Michel Puccini va tirer devant et si par bonheur il fait carreau, ça sera Jérôme Pérez qui aura la boule de 13. Hein. Eh oui. Allez, boule importante pour Jean-Michel Puccini. Ouf. C'était... Ben non, il n'y aura pas de vainqueur encore dans cette main. Non, non. Et oui, de toute façon, il avait levé la main parce qu'il fallait impérativement taper plein fer. Hein, fallait pas chiquer, fallait... Alors attention aussi, hein, la boule d'Henri qui est devant. Hein, pas la... ouais, ouais, il a joué un petit peu à l'écart hein, parce qu'il ne faut pas prendre de risque de la rentrer. Alors un point, je pense. Et hein. Ben un point. Allez, un point. Supplémentaire pour l'équipe de Ligue 1 dehors. 11 à 10. Allez, 16e main maintenant. Du suspense, Stéphane, encore. Ouais. Je disais tout à l'heure, bien malin qui peut dire qui va l'emporter. Alors évidemment, comme c'est toujours le cas, quand on envoie le but près de la ligne et qu'il sort, ben les adversaires l'envoient complètement à l'opposé, bien en diagonale. Et là, on est à peu près à 8 mètres. Évidemment, les boules sont un petit peu plus lourdes et il faut venir de plus en plus près. Allez, un petit coup de but, là, il a gagné 10 cm. Hein. Alors, Dylan qui va tout de suite au rond. Allez, c'est passé, c'est même un petit palais 40 derrière le bouchon. Oh là là là. Ah, il l'a perdu. Il l'a perdu. On voit le... Le replay du tir de Dylan. Alors, à la réflexion, Ligan et Jean-Michel Puccellini. Est-ce qu'on fait le bouchon? Apparemment, on va faire le bouchon, hein, Stéphane? A priori, oui, est-ce que là, on est vraiment dans la fameuse partie? Donc là, on a plus le droit de louper de boule, donc on va tenter d'annuler pour rejouer. Ah, il est bas. Non, il n'est pas droit, je crois. Hein. Il n'est pas droit surtout. Alors est-ce qu'on va essayer de... Non, on va retourner. Non.
Ah, ça va se compliquer là pour cette fin de main. Allez, il restera un essai à Jean-Michel Puccellini. Ah non, c'est court. On envoie comme on peut. Et ben le 5 boules pour l'équipe prochaine. Et voilà. Il n'y aura plus qu'à rajouter. Voilà, c'est terminé. Conclusion. Allez, c'est terminé dans la finale homme avec la victoire de Stéphane Robineau, Dylan Rocher, Henri Lacroix. Et on va également applaudir la très belle partie de Jérôme Pérez, Ligan Demeur. Voilà, ben c'est fait. On connaît les vainqueurs finale, de ce 7e mondial Barbero Ville de Fréjus. Une partie qui nous a tenu en haleine, qui vous a tenu en haleine. Ça aurait pu tomber d'un côté, c'est tombé du côté de l'équipe 100% fréjusienne. Robineau, Lacroix et Rocher qui ont dû batailler dur pour venir à bout de cette équipe Puccinelli, Dor et Pérez. Partie très serrée, effectivement. Du très beau jeu, une partie qui est partie très vite des deux côtés. Puis après, on a marqué point par point, on a grappillé, on a... 16 mains, Stéphane. On a sorti le but plusieurs fois, mais. À la conclusion, un nouveau titre, et puis juste avant les championnats de France, peut-être un peu de confiance pour cette équipe fréjusienne qui sera présente à Bergerac la semaine prochaine. Et il y aura à cœur de faire d'aller chercher un titre pour leur dernière participation ensemble, puisque on rappelle Henri, ce n'est plus un secret, non, puisqu'il a annoncé depuis le mois de mars, s'en ira à Lacroix la saison prochaine, et donc Dylan et Stéphane seront associés à Djigourizi. Ils auront à cœur de briller, voilà, une nouvelle aventure. Tout à fait, voilà. Donc on va remercier encore une fois tous les gens qui ont permis d'organiser cet événement à Fréjus, ce 7e mondial Barbero Ville de Fréjus, les services techniques de la ville, l'office du tourisme, les bénévoles, Jean Casal qui de main de maître a organisé cette compétition de 3 jours, puisqu'on le rappelle, on a démarré vendredi. Et ben on souhaite le meilleur pour tout le monde et qu'on puisse continuer à avoir de la belle pétanque sur la chaîne Bouliste Note, Stéphane. On n'en manquera pas. On vous remercie d'avoir été très nombreux à nous suivre. Alors, j'ai le soleil dans les yeux, les gars. J'ai le soleil dans les yeux. Ouais, on vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures. A priori, maintenant, ça sera mi-juillet pour les championnats d'Europe qu'on vous fera suivre en direct des Pays-Bas. Pour le week-end, prolongé du 14 juillet, donc d'ici là, portez-vous bien, jouez à la pétanque, faites-vous plaisir. Et puis n'hésitez pas à venir sur Fréjus, passer quelques jours de vacances. Parce que comme tu l'as remarqué... On est très bien accueillis. Voilà. Allez, merci à tous d'avoir été aussi nombreux. Merci à tous, encore une fois. Et à bientôt sur Bouliste Note pour de nouvelles aventures, comme d'habitude. Merci, bravo à tous.